adieu ma mère, adieu tous mes parents. Voilà que je vous quitte aujourd'hui pour longtemps. Cette chanson, Jean Lapointe l'avait lui-même chantée dans l'un de ses rôles au cinéma. D'avoir eu peur de la mort. C'est le plus bel hommage à papa que tu pouvais pas faire. Un hommage émotif pour son père, mais aussi l'auteur, le chanteur, le comédien, l'humoriste. Jean Lapointe savait comment toucher le cœur des Québécois. Jean Lapointe fut un des grands francophones du Québec et du Canada de sa génération. Un homme plus grand que nature qui a inspiré des milliers d'artistes. Son jeu naturaliste, son jeu vrai, ancré totalement dans la vérité, il est de l'ordre du documentaire. Oui. On n'avait jamais vu ça au cinéma québécois, on n'avait jamais vu ça à la télévision québécoise. C'est une grande sensibilité de comprendre et de pouvoir exprimer les émotions de la condition humaine. Et c'était ce talent-là qu'il avait. C'était un grand imitateur, c'était un grand chanteur, c'était un compositeur. C'était vraiment la quintessence de l'artiste. C'était un grand, grand artiste, puis je l'ai connu dans la vie aussi. C'était quelqu'un de spécial, un genre de Duplessis des arts. Pour nous, Jean Lapointe était souvent un emmerdeur de la pire espèce. C'est avec humour que celui qui a dirigé la maison Jean Lapointe a décrit la générosité du fondateur. Jean Lapointe, le résilient, le combattant de l'alcoolisme. Tu t'es servi de tes souffrances pour alléger celles de tes sœurs et frères d'armes. 40 années de don de soi à ce que tu appelles à juste titre ta plus grande fierté, ta fondation et ta maison, Jean Lapointe. Un modèle pour tant de victimes de l'alcool. C'est notre guide, hein? Il nous a montré le chemin pour, vers l'abstinence. Jean Lapointe, un des piliers de la culture québécoise, s'est éteint en emportant les souvenirs d'une génération de Québécois, ne laissant que ses œuvres à l'épreuve du temps. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal. À raconter la même histoire où tout est gris, où tout...